qui sera utilisé à la fois pour le centre de tri et pour le centre de transfert de ordures ménagères dans Genève Métropole. Donc il faut que tout puisse être évidemment différencié en fonction des différents apporteurs, en fonction des différents déchets qui arrivent, séparer bien évidemment les emballages ou emballages en mélange des ordures ménagères qui n'ont pas le même exutoire. Il y aura une traçabilité parfaite en fonction des apporteurs et en fonction des matières premières qui sortiront. Sur l'actualité du chantier en cours, donc il y a eu très récemment donc l'élévation de la charpente métallique qui permettra d'accueillir la cabine de tri. Il va y avoir donc tous les trieurs manuels qui permettront d'affiner le tri qui aura déjà été opéré par des machines de tri optique qui seront installées dans les prochaines semaines ou deux prochains mois qui viennent. Je rappelle que les emballages arrivent en mélange et seront ensuite séparés après tout ce process de tri pour distinguer le papier, le carton, l'acier, l'aluminium et les différentes résines de plastique. Ce qui n'est pas si évident que ça, a priori, mais ça marchera. Sous la chaîne de tri, vous apercevez également des stockeurs qui chacun avec des couleurs différentes. Chaque couleur correspond à un type de matériaux, selon que ce soit du papier, du carton ou différentes sortes de plastique, qui vont alimenter ensuite un convoyeur qui emmènera les déchets, matière par matière, vers une presse qui sera disposée dans le bâtiment à côté, dans le stock aval du site. Et à partir de là, une fois que tous les déchets auront été compressés, ils partiront dans les filières de valorisation avec un transport optimisé. Alors parmi les prochaines échéances qui nous attendent, alors on va avoir le montage de la chaîne de tri qui intervient dans le process en amont de la cabine de tri. Donc ça va intervenir dans les 2-3 prochains mois. On aura également une étape importante pour vérifier la qualité et réceptionner la défense incendie avec un système un petit peu innovant sur ce site d'installation. Ça sera un système de mousse à haut foisonnement. Ce sera une étape très intéressante à suivre.